Hello, hello tout le monde! Bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Aujourd'hui, en ce beau samedi 6 février, je commence la première partie de ma toile de défi là, avec Alexandra. Donc là, j'y vais en force, j'attaque un gros carré. J'ai des plus petits. Ceux-là ici sont vraiment là, pas mal la même grosseur, mettons. Mais la première rangée que j'ai fait ici, que j'ai séparée, sont un petit peu plus étroits. Mais là, j'y vais avec un beau gros. Donc, je m'installe, je vous approche un peu là. Donc là, c'est sur celui-là ici que je vais venir travailler. Je vais allumer ma tablette. Donc, je vais enlever ça, cette belle pellicule-là. Donc, c'est sur cette partie de la toile que je travaille. Donc, première partie du défi qui va durer 6 semaines, 6 samedis en ligne. Et que là, ma vidéo, dans une première partie, je vais faire un petit bout avec vous. Ensuite, je vais faire un petit bout en accéléré. Puis, je vais vous revenir là, en dernier parce que, bon, écoutez... C'est quand même une bonne grande superficie, puis je peux pas vraiment me permettre avec mon Internet ces temps-ci, en plus, là, vraiment, là, ça c'est quelque chose. Je peux pas tant me permettre là, de mettre une vidéo là, de 2 heures, là. J'aimerais bien ça, ça me dérangerait pas, mais c'est ça. J'ai beau compresser, 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 là, mon Internet me fait de la misère un petit peu ces temps-ci, puis ça me fait rusher. Bon, là, je vais me prendre un petit crayon au hasard. C'est un petit embout de 3. Un plateau, un plateau, un plateau. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon plateau? J'ai fait du DP tantôt. Ah, il est ici. J'ai un plateau. Et puis, une petite pince proche si jamais il y a quoi que ce soit. Bon, parfait. J'ai tous mes outils. J'ai mon bel organisateur, là, qui est quand même assez gros. Vous vous souvenez, j'avais organisé ça avec vous quand je vous ai présenté là, le défi en question, là, quand je vous en ai parlé. Bon, fait que là, en partant, j'ai une belle petite rivière ici. Je vais venir l'aplatir un peu. Le but, dans le fond, de rivière, c'est qu'il s'est inséré de l'air dedans. Donc le but, c'est de venir l'aplatir pour pas que ça paraisse quand que ça allait faire du DP. Et voilà. J'en ai une ici, je crois. C'est des choses qui arrivent. C'est pas des choses qui me stressent du tout. Et voilà. Merveilleux! Là, j'ai même un petit embout de 3. Ça fait un méchant bout, celui-là. Je vais changer la cire parce que là, ça fait trop longtemps. Fait que là, je vais gratter ça. J'enlève ça, là. Je nettoie ça au complet pour pouvoir remettre là, de la cire neuve. Bon, mon petit trash bowl. Il est un petit peu loin. On va rapprocher ça. On va approcher ma belle petite cire au bleuet. Ça fait un bout que je rentre sur cette cire-là, là. Ça dure quand même un bon bout, un pot. Alors, on compacte. Je pousse dessus. J'enlève l'excédent sur les côtés. Sur le dessus aussi. Tiens, je mets ça dans mon petit trash bowl. Là, je serai prête à débuter. Bon, on va garder ça pas loin. On va changer l'autre bout tant qu'à faire aussi, hein, tant qu'à d'être là. En train de travailler avec la cire. On va faire ça tout de suite. Bon. On compacte le bout bien comme il faut. On enlève l'excédent. Sur le dessus aussi. Et voilà, je suis prête. Donc là, c'est parti. Je vais y aller en premier avec les hauts. Tiens, parce que là, j'en ai sur le bord juste là. Les hauts. Et là, j'en ai de la couleur. Donc, c'est des petits roses, couleur numéro 151.
super contente là, des diamants ronds. Ça fait changement. J'ai avancé un peu ma toile là, avec des diamants carrés. Là. Fait que là, là, c'est le fun d'aller retravailler avec du rond. Ça fait du bien. Puis en plus, je peux me servir de mon embout multiple. Ça aussi, c'est génial. J'aime vraiment ça. Et là, êtes-vous prêts hein, pour la semaine là, spéciale de l'amour, la semaine spéciale cœur, thématique, avec la Saint-Valentin, là. Hein, il reste une semaine. Fait que là, je commence demain, 7 jours en ligne, des vidéos là, sous c'est ça, le thème, là, vraiment, là, les cœurs et tout. Donc, il va y avoir du bricolage, du scratch painting, il va y avoir du coloriage. Je vais avoir une belle surprise, là. Puis, ça commence en beauté demain. Donc, surveillez ça, là. Ce que je vais mettre en ligne demain, vous allez voir, c'est du bonbon. Je vous dévoile pas c'est quoi, là, mais c'est ça. Moi, je vous dis, là, demain, ça va être une méga belle vidéo. Puis là, après ça, c'est ça. Là, je dévoilerai pas non plus ma planification là, de la semaine. Là. Quelle journée il va avoir quoi, mais c'est ça. Je vous le dis, surveillez ça. Il va y avoir vraiment plein d'activités. Là. Pas d'activités, mais de choses différentes là, pour faire des activités. Là. Surtout là, quand que je pense là, au bricolage. Là, c'est ça. Je vais vous montrer là, des petits trucs à faire là, en lien avec la Saint-Valentin. Des petites choses que j'ai trouvées cute aussi. J'ai un autre bricolage aussi que je vais faire, ça non plus je le dis pas c'est quoi mais j'ai très très hâte de le faire là. J'ai la boîte et tout là, et sur mon bureau là, puis que j'ai donc hâte. Oh hein, là ça vient de piquer votre curiosité hein, vous vous dites mais de quoi qu'elle parle, qu'est-ce qu'elle va faire C'est ça, je vous dis demain, je commence ça en beauté. Fait que je vais mettre une belle vidéo en ligne. Bon, j'ai-tu d'autres petits hauts? Vite de même. Sinon, c'est pas grave. Je le ressortirai, je suis habituée, moi, qu'il reste tout le temps. Faut tout le temps qu'il en reste un quelque part. Je m'en fais plus avec ça à cette heure. Je suis rendue habituée. Bon, là, là, moi, je vais travailler avec mon embout, là. Là, je vais y aller avec les R. Tiens. Oh, j'ai les B qui se ressemblent proches, alors je fasse attention. OK. Bon, les R. Les R 996. Un beau petit bleu. Donc, même chose. C'est le fun. Ça, ça avait tout rentré, les couleurs. Là. J'avais pas eu, je n'en ai pas en double exemple. J'ai plein de couleurs à faire. J'ai vraiment très hâte, ce diamond painting-là, de voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air au final, quand il va être fini, là. Avec toutes les couleurs qu'il y a, là, ça va être spécial. Ça va flasher, là. Puis j'ai hâte de voir aussi, là, je suis sûre que la grandeur qu'on l'a pris et tout, là, avec les détails qu'il y a dedans, là, ça va donner quelque chose de pas pire. Ouais, j'imagine que les bonbons là, vont me donner envie de les manger. J'y vais tranquillement. On est quand même tard un peu le soir. J'ai ma journée de fête. J'ai eu une bonne journée aujourd'hui aussi, encore une fois. Comme s'il y avait des journées où est-ce que c'était pas des bonnes journées. Et là, je me suis dit, je commence ça ce soir. Donc, c'est ça. Le défi, là, on a... dans le fond, on met nos vidéos en ligne les samedis. Sauf que, c'est ça, on a comme la semaine pour faire notre partie. Fait qu'on n'est pas obligé de tout se taper, exemple, là, la même journée ou de quoi. Ça, j'ai trouvé ça pas pire quand on s'était dit ça, là.
C'est moi, en fait, là, qui avait dit, bon, ben, garde la toile, on va la séparer en 6, puis on va faire 6 samedis. Oui, ça fait des grosses parties, sauf que entre chaque, on a une semaine. Moi, je voulais pas instaurer quelque chose, mettons, qui me donnait comme un peu une obligation à tous les jours de faire du DP, là. C'est ça, moi, il y a des journées que ça donne pas du tout. Fait que c'est pour ça que je me disais, tu sais, faudra pas la séparer en plein de petites cases, style un calendrier de l'Avent, mettons, puis pendant un mois de temps, mais tu sais, faire une petite case à tous les jours ou de quoi, puis tu sais, on monte notre avancée, puis moi, côté aussi, montage vidéo et tout, faire plein de petits bouts, puis je me suis dit, oh mon Dieu, ça va me compliquer la vie plus que d'autres choses. Fait que c'est pour ça, là, que, tu sais, moi, j'ai fait comme, bon, garde, OK, on sépare ça en 6. Oui, ça va faire 6 grosses parties, mais c'est pas grave. On a une semaine pour faire une partie. Puis en même temps, l'avoir séparé en plus que ça, tu sais, je veux dire, ça aurait duré quand même un méchant bout, là. Fait que, tu sais, de voir la fin de la toile, je pense que c'est ça. C'est bien, c'est quelque chose de réalisable. En 6 semaines de même, là, ça nous donne du lousse. Puis, tu sais, c'est juste une 30 par 40. Fait que c'est pas si pire que ça. Là, moi, j'en fais un bout. J'avance ce soir. Si je la finis à soir, je la finis à soir. Sinon, ben, c'est pas plus grave. C'est pour ça que je trouvais ça pas pire aussi. Je m'étais dit, tiens, ça là, faut se donner du temps parce que bon, c'est ça. On a tout notre train-train quotidien, hein. On a nos obligations, nos responsabilités. Ça, je veux dire. Tellement de choses qui se passent aussi. Ça va tellement vite, là. Puis c'est tellement facile aussi une journée. On se dit, hey, là, regarde, aujourd'hui, je fais ça, puis tout. Puis il arrive plein d'autres affaires, puis t'as zéro le temps de faire qu'est-ce que tu voulais faire. C'est ça. Moi, dans le fond, ça m'arrive comme tellement souvent, ça, que c'est pour ça que j'étais comme, OK, là, je peux pas avoir de quoi. Une obligation à tous les jours. Ça marche pas, pas en tout, là. En tout cas, pas pour tout de suite, là, j'étais là, ouais, non. C'est ça. Il y a des journées là, que tu sais, je touche pas du tout à mon diamond painting. Là. Bon, je me vois que j'ai des petits A, j'ai des petits B au travers. Là. Ça se ressemble tout pas mal. Bon, là, je vais aller. On va faire une coupe. Hey, ma toile, elle colle bien. Ça, deux, trois fois, je me colle la main. Là. Elle colle bien. Et vous entendez ça, touc, touc. Ça, dans le fond, ce bruit-là, c'est ma cire quand elle décolle du diamant. J'aime beaucoup parce que c'est bien imprimé. Je veux dire, je vois bien mes symboles aussi. La colle est vraiment très collante. Cette toile-là, je l'avais prise chez Home Fun. C'est ça. Je suis bien satisfaite de Home Fun, en tout cas, à date, là, en règle générale. Là. Même s'ils m'ont fait sacré pour la toile que j'ai donnée à mon papa, là, même si j'ai eu du fil à retordre, mais Home Fun, hein, c'est ça, sont réputés pour justement les toiles carrées, là, c'est fait serré, là, tu sais, c'est les diamants, là, c'est cordé. Si vous voulez un diamond painting qui a pas d'espace, tu sais, qui est vraiment collé et tout, là, qui est, ça accroche, mettons, façon de parler, là. Tu sais, Home Fun, là, avec les carrés, ça peut être de quoi de pas pire. Mais, c'est ça. Quand tu t'en attends pas, je vais te dire que c'est ça. Tu restes surprise. Moi, ça m'a un peu découragée avec les carrés. Là. On dirait que j'ai un peu les carrés en horreur depuis ce temps-là. Mais c'est pas grave. Ça, là, ça va revenir. Je vais réapprendre à aimer les carrés. Surtout avec mes stylets en bout carré, là. Ça va tellement mieux depuis que j'ai ça, là, depuis que j'utilise ça, là, fait que ça, là, ça fait vraiment une énorme différence. Puis, je pense que c'est vraiment ça, un peu, là, le secret, si on veut, là. Si on veut que ça y aille bien, là, ça prend vraiment un stylet en bout carré, pas les carrés. Ça va arriver un jour je vais en avoir plus, un peu, sur ma boutique, là.
J'en attends par la poste, là. Je vais avoir des nouveaux modèles. Donc, j'ai très, très hâte, là, de vous mettre ça en ligne, que vous puissiez vous en procurer. J'en avais parlé un peu dans une vidéo, puis là, ça s'est envolé comme des petits pains chauds. Il m'en restait pas tant que ça. Mais j'en avais pas commandé tant que ça non plus parce que, bon, c'est ça. J'aime mieux en commander des petites batches, puis ça, au lieu de rester pris avec aussi, parce que là, moi, à un moment donné, je peux pas en avoir 50 des crayons. Fait que là, j'ai vu là, que c'est ça. Ça a été populaire, mais il va en avoir d'autres. J'en ai d'autres aussi là, qui sont en commande. Là. Ça va arriver, là. Ouais. Je vais vous mettre ça disponible aussitôt que ça va être de retour. Je vais avoir des crayons là, avec la cire incluse. Là. Ils ont été vraiment populaires, ceux-là. Ils sont partis vraiment vite. Même avant même que j'en parle dans ma vidéo, ça a décollé. Là. Il en restait comme pas beaucoup quand j'en ai glissé un mot dans ma vidéo. Fait que les personnes qui ont été faire un tour sur ma boutique Etsy en premier ont été chanceuses puis ont pu s'en procurer un avant qu'il n'y en ait plus. Mais c'est ça, ça fait tellement, tellement la différence. Là, moi, je l'ai vu, je l'ai constaté, je l'ai essayé, puis sérieux. Je veux rien savoir de faire du diamond painting là, avec un stylet comme ça en bourron pour faire des carrés. Ça, c'est terminé. Je veux plus rien savoir de ça. Ouais, puis je suis têtue. C'est mordicus là. Non. Je ne veux plus rien savoir de ça. Depuis que j'ai goûté au stylet en bout carré, sérieux, c'est ça. Ça révolutionne le diamond painting carré. Hop là, il finit ici, vous autres, les deux petits coquins. Bon, se sont collés sur le coin de mon crayon. Ça, là, dans le fond, c'est comme une grosse sucette, là, ici, là, le coin, là, qu'on voit, là. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Fait que c'est pour ça, il n'y a pas trop de détails, fait que 30 par 40, d'après moi, la grandeur va être bonne. J'ai vu, là, il y a une image qui est quand même populaire, c'est comme un racking, là, plein de pots maçons avec des bonbons dedans. J'en ai vu qui l'ont fait, puis qui l'ont pris un peu trop petit. Ça, c'est comme un peu flou. On distingue pas bien les bonbons. T'sais, ça fait comme un peu des spots de couleur dans des pots maçons. C'est parce qu'on le sait en regardant l'ensemble, le dessin au complet, que t'sais, on comprend c'est quoi là. Mais quand on regarde un peu plus proche, mettons, j'en ai vu quelques-uns là. Puis ça, j'aurais trouvé ça dommage, mettons. C'est pour ça aussi là, que j'étais contente quand m'est arrivée Alexandra avec cette image-là. Mettons, là, je me suis dit, oh oui, ça va bien se faire en 30 par 40. Avoir pris quelque chose de plus grand, ben là, c'est ça. Il aurait fallu séparer la toile encore en plus que ça. Puis ça, c'est ça. Échelonner ça encore plus long. Puis c'est pour ça. Moi, je me disais, là, 6 semaines, là, c'est quand même un mois et demi, là. Fait que c'est raisonnable, là, comme ça, là, 6 samedis d'affilée, là. Moi j'en ai quand même pour je veux dire, ça me fait quand même pas mal de vidéos aussi là. Fait que puis les samedis, bien souvent là, je me mettais des unboxings ou des choses comme ça, du bricolage. Fait que là, moi c'est ça, c'est 6 samedis là, que ça va être le défi. C'est pour ça que je me disais, bon, 6 là, c'est en masse, on n'étirera pas trop ça non plus. Je voulais pas. Puis pas, je voulais pas, mais j'aime plus les petites toiles. Depuis un bout, là, c'est ça, j'aime plus ça, là, des petites 30 par 40. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ah oh oui, tu sais, ça va être parfait, ça. On fait un petit 30 par 40. Petite toile qui va se faire vite. Puis, tu sais, ça veut pas dire qu'on en referai pas des défis, qu'on en refera pas, là. Tu sais, on se le cachera pas, là. Tu sais, si on tripe à faire ça, là. Ouais. Ça peut peut-être être de quoi de pas pire, là. Fait que c'est pour ça qu'en l'échelonnant de même sur cette fin de semaine, c'est quand même pas pire. Puis ça me laisse de la place en masse pour faire autre chose, d'autres projets et tout, là. Fait que c'est merveilleux. Je suis vraiment contente de faire ça, ce défi-là, là. Je suis contente qu'Alexandra m'ait approché avec ça aussi, là. Je trouve ça vraiment le fun. Ça fait différent aussi. Tu sais, là, il y a comme des duos, coloriage, des trucs comme ça. Puis là, ben nous autres, c'est ça. Il faut avancer la toile. Une partie, on a une semaine pour la faire. On met la vidéo en ligne le samedi. C'est tout ce qu'on s'est donné comme
comme critère, si on veut. On fait un vlog, on fait se ravancer, on fait comme qu'on veut, mais faut avancer. C'est ça le défi. Le sixième samedi, là, il faut qu'on mette la photo de la toile, faut qu'elle soit finie. Oups. Bon, les pierres sont pas mal toutes faites. Vite de même, j'en vois pas d'autres. Bon, bon, bon. Alors là, faut que ça avance un petit peu plus vite. Fait que là, je suis rendue, je vais faire une petite partie en accéléré. Mais je vous reviens, inquiétez-vous pas, là, je vais refaire là, un petit 15 minutes avec vous là aussi. Là, je vais vous rejaser. Là, je vais terminer ça en beauté avec vous. Mais là, faut que ça avance, là, cette partie-là. Là. Let's go! Faut que ça roule, puis je vais vous mettre de la belle petite musique en plus, vibe là, qui bouge un peu là. Donc je vous accompagne dans votre diamond painting en musique. Et sur l'accélération, vous allez voir, là, on va faire ça en deux temps, trois mouvements, cette toile-là. Et c'est parti!
On se retrouve pour terminer ça en beauté, cette première partie-là. Là, il me reste deux couleurs à faire. Les petits J et puis les petits neufs. Donc là, j'ai les petits J. Un beau rose, flamant rose. Finalement, je vais avoir donné une méchante go. Je vais avoir fait ça d'un bout dans la même journée. Tiens, pas de niaisage. Puis là, ben, j'étais partie. Puis c'est tellement agréable à travailler aussi, là, plein de belles couleurs comme ça. J'ai quand même des bonnes zones aussi là, de même couleur. Fait qu'avec mon embout multiple, ça va quand même bien. Fait que c'est pour ça que ça a fait. Let's go! On le fait au complet. Tiens, pourquoi pas? Mes choses sont toutes sorties pareilles. Je suis toute installée. Là, il est rendu tard. Demain matin, il faut que je me lève quand même tôt. C'est pour ça que là, il était temps là, que je finisse, par exemple. Là, je commençais là, à étirer ma loque un peu. Là. Puis, mes yeux commencent à être fatigués. Là, pas mal. Puis c'est ça. Demain matin, il faut que je me lève tôt. Ma mamie a besoin d'un service. Faut qu'elle aille porter son auto au garage, la faire réparer. Elle a eu un petit accrochage là, puis c'est ça, c'est pas de sa faute à elle, là. C'est fait de couper le chemin. Et puis bon, juste du matériel là, pas de mal, pas rien là du tout là, tout va bien. Mais c'est ça, juste pour faire chenoute, ben là c'est ça, faut qu'elle aille porter son auto au garage. Là, elle va avoir une belle voiture de courtoisie, fait que. Aller jusque-là, c'est correct, elle n'a pas besoin de moi. Mais la même journée, là, une heure après, là, à un rendez-vous chez l'optométriste là, pour un test de vue, je sais pas quoi, là, une sorte d'examen. Puis elle me dit que c'est ça, il dit mettre un liquide dans l'œil. Puis elle disait qu'elle était pendant, là, tu sais, un petit 2-3 heures, là, qu'elle voyait un peu embrouillée. Fait que c'est pour ça, elle voulait pas prendre son auto, elle voulait pas prendre de chance. Puis c'est ça, elle fait bien. Fait que là, elle m'a demandé, dans le fond, pour aller avec elle, aller porter son auto, puis aller avec elle au test de la vue et tout, là. Fait que c'est pour ça, là, moi, j'étais à la maison, pareil, fait que je me suis dit, ben oui, c'est pourquoi pas, elle a besoin, fait que rendre un service, hein, ça me fait plaisir. Fait que c'est ça, demain matin, il faut que je me lève tôt, parce qu'on décolle quand même de bonne heure, mais tu sais, c'est pas si pire, parce que là, depuis un bout, j'ai repris l'habitude de me relever beaucoup plus de bonne heure. Là, j'étais partie là, sur une drôle d'horaire. Là. Je me couchais plus tard, puis je me levais plus tard aussi. Puis moi, là, ça, là, je déteste ça. Je sais pas pourquoi. Moi, là, faut vraiment que je voie ma journée. C'est ça. Fait que moi, me lever de bonne heure le matin, là, c'est parfait. Puis tu sais, moi, ça me dérange pas le soir à minuit de dormir à cette heure-là. Avant ça, j'étais une couche tard, là. Puis une lève tard, là, puis là, c'est ça. Là, je tombe plus sur un horaire de jour, là, puis j'aime vraiment ça. Sinon, j'ai pas l'impression, là, de profiter de ma journée, là. Tu sais, le matin, je suis toute seule à être réveillée. C'est ça, je suis toute seule à être debout. Fait que là, je fais mes affaires. J'ai des montages vidéo, des trucs de même. Des fois, je fais une vidéo. Des fois, j'avance des toiles. Tu sais, je veux dire, j'ai tout le temps du petit zigonnage, là, du taponnage à venir faire dans mon bureau le matin. Des commandes, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, je suis tranquille. Je suis toute seule d'être à bout. Après ça, là, quand mon copain se lève, ben là, je m'en vais prendre un café avec lui. Je prends pas des cafés à tous les matins. Je l'accompagne, là, c'est ça. Je m'en vais dans la cuisine, dans le fond. Mais, j'aille pas ça le matin, là, me lever, là, plus tôt, là. Fait que, c'est pour ça, là, je garde cette habitude-là. Puis, ça tombe bien, là, que je me sois re-switché, si on veut, dans un sens, là, il n'y a pas si long. Parce que là, regardez, c'est ça, ça sera pas trop dur demain matin, vu qu'il va falloir que je me lève de bonne heure, là. Ça devrait bien se faire, là. Je devrais pas trop avoir de misère. Ça se peut que je sois époqué, juste parce que, bon, encore une fois, comme que je dis, c'est mental, là. Juste parce que là, je vais avoir un réveil, puis d'habitude, j'ai pas de réveil, tu sais. Là, je vais être fatiguée, puis là, ben, ça va bien dormir, puis oh, je suis sûre de ma chute, là. C'est tout le temps de même. Il y a des matins, je suis ici, j'ai rien à faire en particulier. Je pourrais dormir jusqu'à 9h, il y aurait pas de problème. Puis à 7h, 7h15, les deux yeux me rouvrent, là. Puis là, je me dis, bon, là, je me lève, parce que si je me recouche, ben, je vais dépasser 9h, puis là, ben, c'est sûr, il va tomber, là, que ça va être trop tard, là, puis
C'est ça. J'aime pas ça me lever trop tard dans l'avant-midi. Là. Moi, là, avoir le temps là, de faire juste ma vaisselle, là, puis une affaire ou deux, là, puis je regarde l'heure, puis midi, là, non. Ça, là, ça me gosse. Je suis comme plus capable. Là. Fait que c'est pour ça, là, à cette heure, je me lève plus tôt. Fait que là, j'ai le temps de faire plein de trucs le matin. Puis là, après ça, ben, j'arrive, là, je fais des trucs dans mon bureau. Fait que là, après ça, j'arrive, je m'en vais faire des trucs, là, dans la cuisine et tout. Puis là, je regarde l'heure, hein, 10h. Hey, c'est-tu le fun? C'est-tu le fun? Là, j'ai l'impression d'avoir une journée productive dans ce temps-là. Hey, hein? Ça achève cette belle toile-là. Ben, pas cette toile-là, là. Cette belle partie de cette toile-là. Allez, regardez-moi ça, les couleurs. Wow! Voilà, je trippe. Servir un peu de lambeau multiple, hein? Essayer de... Oups! Gagner un peu de temps. Parce que là, ça fait quand même un bon bout, moi, là, que je suis là-dessus à ce soir, là. Après ça, je vais aller écouter un petit peu mes séries, aller relaxer sur le divan dans ma doudou chauffante. Comme à l'habitude, je vais m'endormir dans ma doudou chauffante. Bon, là, j'entends Cachou qui chiale. Pauvre petit chat qui a besoin d'attention. Je vous dis, c'est pas drôle. Là, il arrêtait pas de chialer tantôt. Là. Rendu à une certaine heure le soir, là, souvent, là, il nous fait ça. Il arrête pas de chialer. C'est juste pour avoir de l'attention. Plus on joue avec, là, plus on y tombe ses nerfs. Tu sais, là, il est comme tanné de jouer. Là. Oh Seigneur, il est dur à suivre. Cri cachou. Hey, ça achève, ça achève. Bon, plus que quelques-uns. On va y aller là, un par un. Il y a de la statique dans mon plateau. Et le dernier pour conclure cette première partie. Et puis, j'ai mon rouleau. J'ai sorti mon bras de GoGo Gadget. J'ai mon super rouleau pour placer mes diamants. Et voilà. C'est magnifique. Je suis super contente. Donc, première partie du défi avec Alexandra. Première partie sur 6 complétée. Alors, pour la suite de cette toile-là, on va se dire dans une semaine exactement, samedi le 13 février. C'est ça, samedi prochain, vous allez avoir la partie 2 de cette belle toile-là, la partie 2 de ce beau défi-là. Et puis là, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une super de belle semaine qui s'en vient avec plein de belles vidéos là, en thème avec la Saint-Valentin, en lien avec les cœurs, l'amour et tout. Donc, je vous dis à demain. Et puis, je vous souhaite une belle fin de journée tout le monde! Bye bye!